qui résonne aujourd'hui n'est pas n'importe qui dans la musique, au fait. Il y a une page là-bas. Cette page-là a eu a essayé de le critiquer en disant donc que son son n'est pas... Il n'a plus d'inspiration, oui. Ce monsieur qui se bat tous les jours, si lorsqu'il fait sortir quelque chose comme ça, si tu ne vas pas l'encourager à booster son son, il ne faut pas venir prendre une partie pour imaginer quelque chose pour aller essayer de rabaisser son son. La dépression, tout le monde peut avoir. Aujourd'hui, il dit à la maison, sa tête est chaude. On demande pardon à tous ces Ivoiriens. On demande pardon à tous ces... L'amour, toutes ces personnes qui aiment Kérosène partout dans le monde entier. Il a besoin de vous présentement. Kérosène aujourd'hui, c'est un artiste qui a du talent. C'est un artiste qui a fait connaître la Côte d'Ivoire à sa manière. C'est quelqu'un que j'ai vu grandir. Mais là, la sortie qu'il a faite, c'est une erreur. Une erreur, elle est humaine. Vous savez, les pages qu'on dit l'influence, n'allez pas lire les commentaires quand vous êtes une personne publique. Il n'était pas obligé de répondre à ça. Quand tu arrives à un certain niveau de célébrité, il y a des choses, on ne rentre pas dedans, on s'en fout. Ah là, je vous dis, chacun de nous a ses problèmes. Donc, l'idéal, lorsque vous voulez faire un poste pour répondre à quelqu'un, pour un truc qui veut salir votre image, faites attention à ce que vous dites et à ce que vous écrivez. Parce que, sachez parler avec diplomatie. Kéro, j'ai vu, il a parlé d'avoir fait une dépression, tout ça, et puis... J'ai eu mal pour lui, mais en même temps, je dis, ouf, enfin, peut-être qu'avec lui, on va comprendre un peu, les Africains vont comprendre un peu ce dont on parle, qu'on parle d'une dépression. Et quand on voit tout cet harcèlement que certaines personnes subissent sur la toile, et je vois des personnes qui ne veulent pas sortir pour dire non, il faut que ça s'arrête, parce que soit il y a une peur de se faire insulter, ou bien non, moi je ne me mets pas dedans. Mais on dit, quand tu vois quelqu'un faire du mal et que tu n'interviens pas, c'est que tu es complice. Pour lui, c'était juste une publication. Regardez un peu la façon dont ça fait ressortir beaucoup de choses en lui. À plus forte raison, chaque jour, quelqu'un sur ta vie, chaque jour, ne connaissez pas la santé mentale, c'est pour ça que vous jouez avec ça. C'est pour ça que vous applaudissez ceux qui le font. C'est pour ça que vous êtes là sur les directs des gens, on met des cœurs, on met des likes, on partage. Puis on dit, ouais, il a baissé ça, il a bien parlé, non, il est fort. Vous ne savez pas? J'ai dit, nous sommes tous coupables. Il n'a qu'à aller demander à Ariel Chené, sinon Petit, il allait disparaître de Facebook, tellement ils l'ont persécuté. Sur les réseaux sociaux, puis dans la vraie vie, dans ces petits spectacles, Ariel Chené, il tient aujourd'hui sur pied, puis il est tranquille, il n'a jamais voulu. Même Mori le Moula que vous voyez là, même jusqu'à demain, on charge toujours Mori. Dès qu'il y a dessin qui répond, on dit tant que Mori n'a pas encore dit. Mori est sur Facebook, sinon il allait disparaître. Toi, petit amusement, dépose, tu délires. Tu fais, les gens sont en train de se moquer de là, tu penses que c'est bonne chose. Les gens publient ta photo, on met ça en profit comme s'il y avait quelque chose, il n'y a rien du tout. Tu vas t'asseoir à la télé, et puis tu dis, tu déprimes, tu pleures. Tiens, Kérosène, arrête de jouer les petits, arrête de jouer les petits frères. Tu dis, t'es un enfant de Cyporès, non? Cyporès, ça c'est les, nous aussi c'est les morts derrière. Joe, quand tu veux être artiste, quand tu veux être personnage public, là, il y a des trucs qu'il faut supporter. Toi, ils t'ont encore rien fait. Petit poste de ça qui te fait pleurer. C'est pas parce qu'ils sont stars qu'ils n'ont pas de problème. Hein. C'est pas parce qu'ils sont stars que vous allez vous permettre de tout dire sur les personnes. Mais venez dire que Kérosène n'est pas inspiré. Que Dieu prenne l'argent qu'il a donné à Kérosène parce que Kérosène ne veut plus faire danser. C'est un manque de respect. Mais ce que j'aimerais dire à Kérosène, tu as fait le tour du monde en passant par Monaco jusqu'à arriver à Abidjan. Je ne sais pas pourquoi tu tombes aussi dans une bassesse mais qui ne dit pas son nom. Je ne sais pas pourquoi tu tombes sous le charme d'une personne sans scrupules. Qu'est-ce que lui peut te dire qui peut te branler? Tu ne peux pas tomber en dépression parce que quelqu'un a dit non que oui, Kérosène est fini. Ou bien Dieu n'a qu'à me récupérer son argent parce que Kérosène ne fait plus danser les Ivoiriens. Est-ce que ton objectif c'était de faire danser les Ivoiriens? Ton objectif c'était d'orienter une jeunesse. Je peux comprendre du seul fait que la musique ivoirienne n'est pas facile. Mais ne tombe pas dans le jeu des faiseurs, des briseurs, de carrière. Parce qu'ils vont penser que c'est ton point faible. C'était Vidéo Buzz. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre dossier examiné.